Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi notre soirée de football plutôt qu'une série ou un film. On va tout faire pour essayer de vous donner raison. Les conditions de jeu sont bonnes, le ciel est dégagé, la lumière est belle, les tribunes sont pleines, la pelouse est dans un état presque parfait. Espérons maintenant que les joueurs vont être à la hauteur de leur réputation et pourront exprimer tout leur talent, car vu le nom aligné sur la feuille de match, on va se régaler. C'est l'un des plus beaux stades dédiés au football. On part donc sur trois joueurs devant. Darren, votre analyse? Dans ce système, beaucoup repose sur le milieu de terrain. Avec des attaquants excentrés, on peut écarter davantage le jeu. Mais l'inconvénient, c'est que les milieux ont plus de terrain à couvrir. En plus, ils doivent régulièrement couvrir les montées des latéraux. Il faut donc être attentif et avoir un sacré coffre. Et coup d'envoi de ce match. Emmanuel Herrera. Il a de l'espace. Dans la profondeur. La passe est précise. Il est passé. Il tire. Long ballon vers l'avant. Bien joué, ils vont pouvoir repartir. On joue depuis un quart d'heure dans la première mi-temps. Bon, le score est toujours nul et vierge. Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. Et ils essaient de repartir de derrière. C'est osé. Dans la profondeur, bien vu. Il envoie le ballon dans le coup de tête. On dit souvent qu'il faut se méfier des ballons perdus au milieu de terrain. Eh bien, vous voyez qu'on ne raconte pas que des bêtises quand même. On est reparti. Bon, ça c'est fait. Maintenant, il va falloir garder ce tempo. Quelle passe! Ah, il n'a pas pu se mettre en position de frappe. C'est rageant. Un seul but d'écart pour l'instant, mais ça suffit à leur bonheur. Ils mènent donc 1-0. Il centre dans l'axe. Un centre. Allez, la tête. Et il manque le geste décisif. Le Sporting Cristal pousse pour marquer. Il y avait du monde dans la surface. On est passé tout près là. Emmanuel Herrera. Quelle occasion. Attention. Bien repoussé par le gardien. Ah oui, superbe.
sera le premier corner du match. C'est dégagé. Oh, le bon moment, faut tirer là. Oh, la main ferme. Il y a danger. Le soutien derrière lui. Ça passera sur le côté. Le centre devant le but. Pas de doute, ils sentent la pression maintenant. Il ne se pose pas de questions. L'arbitre siffle la fin de cette première mi-temps. Les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit coup d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. Le jeu est fluide, les joueurs se sont bien trouvés lors de cette première 45 minutes. Espérons pour eux que ça continue comme ça. Un petit but sépare les deux équipes, 1-0 à la pause. Et le coup d'envoi de cette seconde période. Oui, mais attention à ne pas se reposer sur ses lauriers. 1-0, ça pourrait vite basculer. Et le ballon qui est remis dans l'axe. La passe en profondeur pour Emmanuel. Il frappe! Ils ont été très rapides et décisifs à la récupération du ballon. Voilà, c'est comme ça qu'on mène une contre-attaque. C'est reparti sur ce score de 2-0. Ce but change quand même beaucoup de choses. À 2-0, on est quand même plus tranquille. Il ne résiste pas au contact. Le coup de sifflet, ce sera une faute. La bonne passe. Ça peut partir en contre. Le ballon dans la profondeur. La belle inspiration. C'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. C'est joué long, c'est dangereux. Il y en a un qui a le droit à un traitement de faveur. Oui, mais il aurait fallu le faire avant qu'il marque. Bon, au moins ils essayent. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Le jeu s'arrête, le temps de procéder à un changement. Ah, on devrait voir un petit peu plus de spectacle, de dribble et de vitesse. Il accélère côté droit. Il y a peut-être un coup à jouer. C'est joué derrière. C'est plutôt intelligent. C'est joué long, attention. Ça joue long. Oh, un bon centre devant le but. Ça va sur l'aile. Il est côté droit, il y a un truc à faire. C'est bien fait, ça. C'est parti! L'Alianza Lima qui peut avancer. Allez. Il a trébuché sur cette intervention. Dans la profondeur. On joue sur l'aile, il est servi. Le centre. Oh, l'aspiration! Un grand dégagement le plus loin possible. Ça va sur l'aile. C'était dans la profondeur, ça n'arrivera pas.
Et c'est le coup de sifflet final dans un stade qui gronde, qui trépigne. Victoire méritée, pas grand chose à dire si ce n'est que c'était vraiment un grand spectacle de la première à la dernière seconde. Bon, Darren, votre analyse sur cette rencontre. Gagner sans prendre de but, c'est la base. Et à la fin, toute l'équipe est happy. L'attaque a réussi et les défenseurs n'ont pas lâché. Voilà un vestiaire donc plein de sourires. On s'est régalé, Darren, vraiment tout au long de cette soirée. Un beau match et vos analyses toujours pertinentes. On se retrouve très vite, à très bientôt. Oh, vous savez, j'y prends toujours autant de plaisir.